Le joueur a l'obligation d'aller marquer le but. S'il ne le fait pas, il est sanctionné par un carton. Je m'appelle Awansou Franck, directeur technique de la Ligue Atlantique Littorale de Pétanque. Le jeu de pétanque est un sport de précision qui se joue avec des boules en acier, un cochonnet ou but et un cerceau. La pétanque se joue sur des terrains tracés. Il y a deux types de terrains tracés. Il y a un terrain de 4 mètres sur 15 et un terrain de 3 mètres sur 12. Nous avons plusieurs catégories. Il y a les minimes, les cadets, les juniors et les seniors. Lorsque le joueur se positionne dans un cercle, il lance premièrement le but ou le cochonnier. Après avoir lancé le but ou le cochonnier, le joueur a l'obligation d'aller marquer le but. S'il ne le fait pas, il est sanctionné par un carton. Le joueur aussi se positionnant dans le cercle, avant de jouer la boule, s'il piétine le cercle, il est sanctionné par un carton. Le joueur qui a eu un mauvais comportement envers l'arbitre, il est sanctionné par un carton. Le joueur qui dépasse le temps de jeu, qui est estimé à une minute, il est sanctionné par un carton. Un bon joueur de pétanque doit avoir la finesse, l'endurance et le sens d'analyse. On peut jouer la pétanque entre deux personnes, c'est ça qu'on appelle le tête-à-tête. On peut jouer la pétanque entre quatre personnes, constituées des partenaires, deux partenaires, deux partenaires. C'est ça qu'on appelle doublette. On peut jouer la pétanque entre six personnes, constituées de tripettes, trois personnes de côté, trois personnes de côté. Donc, il y a le tête-à-tête qui se joue entre deux personnes, il y a la doublette entre quatre personnes et la tripette entre six personnes. En tête-à-tête, chaque joueur a trois boules. En doublette, chaque joueur a trois boules également. Mais en triplette, chaque joueur a droit à deux boules. La pétanque est un jeu de points. C'est un système de points. Donc, plus la boule est proche, plus la boule a le point. Et généralement, les parties sont à 13 points. Donc, l'équipe victorieuse doit arriver à capitaliser 13 points avant de gagner la partie. Avant, la femme ne jouait pas à la pétanque. Mais de nos jours, on a initié les femmes à la pétanque qui jouent activement comme des hommes. Elles peuvent jouer entre elles comme elles peuvent jouer en miss, c'est-à-dire un homme et une femme.